Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo pour partager une recette que je trouve vraiment très utile à la maison parce qu'elle nous permet d'assouvir nos envies pour un yaourt. De temps en temps, on a vraiment une envie de yaourt, mais elle est sans lait. Donc elle est vraiment très très bien comme moi, on a des problèmes de peau et qu'on veut éviter les produits laitiers puisqu'elle est uniquement à base de végétaux et en plus elle est très simple à réaliser. Donc j'espère que vous allez beaucoup l'aimer comme moi. Vous avez besoin pour cette recette uniquement de noix de cajou, de noix de coco et de probiotiques, c'est tout, un peu d'eau également. Alors les proportions, bien sûr, je vais les mettre dans l'article dans laquelle sera cette vidéo, mais d'une manière générale, c'est assez simple puisque vous avez besoin de 125 g de noix de coco râpées, de 250 g, donc le double de noix de cajou, et de 500 ml d'eau, donc le double du double d'eau. Dans un premier temps, parce que la recette va s'effectuer en deux temps, vous avez simplement besoin de mélanger les trois ingrédients, l'eau, les noix de cajou et les noix de coco. Donc on va faire ça, on va juste les mélanger ici dans le bol. J'ai déjà préparé mon eau, donc les 500 ml d'eau. Je mélange, je mets mes noix de cajou et je mets également ma noix de coco et je vais fermer. Vous voyez, j'ai utilisé un bocal tout simple pour ça. Je vais fermer le tout et je vais le mettre au frigo. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, il y a deux avantages à faire ça. La première chose, c'est que ça va détremper les noix de cajou et la noix de coco, ça va les rendre très très mous. Et comme on va essayer de les mixer demain, eh bien ça va être beaucoup plus simple si c'est tout mou. Et la deuxième chose, c'est que quand on utilise des oléagineux, comme les noix de cajou, eh bien il est toujours meilleur de faire une période de trempage parce que ça permet de réduire ce qu'on appelle les phytates. Les phytates, c'est des ingrédients qui sont contenus naturellement dans les noix de cajou, mais qui nous empêche d'assimiler correctement les minéraux. Or, comme vous le savez, quand on a un problème de peau et notamment des problèmes d'acné, les minéraux sont très importants, notamment le magnésium, le sélénium et le zinc. Voilà. Donc j'ai tout mélangé comme ça, j'ai tout mis dans de l'eau. C'est aussi simple que ça. Je vais le mettre au frigo et je vais laisser le tout tremper pendant 12 à 24 heures. Voilà, alors 24 heures plus tard, eh bien, il suffit de récupérer le yaourt en question, en tout cas la préparation pour le yaourt qui ressemble à ça, tout simplement. Ça n'a pas vraiment changé en apparence depuis hier. Et maintenant, nous allons mixer l'ensemble. Et puis la suite, eh bien, c'est très très simple. Il suffit de mettre l'ensemble dans un mixeur. Je vais donc commencer à mixer. Ça va faire un peu de bruit. Il va falloir me pardonner. On y va. Donc, il faut vérifier, hein, la première chose, c'est de vérifier un peu la consistance, savoir si ça nous convient. C'est pas mal du tout, c'est très crémeux, c'est exactement ce que je veux. Et enfin, la dernière étape, eh bien, ça consiste à mettre notre gélule de probiotique à l'intérieur. Alors, moi, j'utilise du 10 milliards de souche, mais je suis sûre que si vous faites avec du 5 milliards, ça devrait marcher, ça ira peut-être un peu moins rapidement, mais ça devrait fonctionner. Donc j'utilise du 10 milliards, bien sûr, de probiotiques de la boutique parce que ben, je suis sûre de la qualité, mais je peux imaginer qu'avec d'autres marques, ça marchera également. Et donc, la dernière étape consiste à remixer un petit peu pour être sûr que tout est bien mélangé, tout est bien réparti. Voilà. Et donc là, enfin, je vais transférer dans mon bocal. Et on va se préparer pour la fermentation. C'est là où le yaourt va commencer à se former. Alors moi, ce que je fais, c'est que je protège quand même mon yaourt, l'entrée de mon yaourt avec, comme vous le voyez, une serviette en papier. On peut utiliser un morceau de tissu également que je vais fixer avec un élastique. Alors le but de la matière, c'est qu'on va laisser ceci à l'air libre. Il faut au moins une température de 19 degrés minimum pour que ça marche. Mais donc la plupart du temps, dans nos appartements, c'est suffisant. En ce moment, c'est le printemps, il fait chaud, donc ça marche très très vite. Évidemment, plus il fait chaud et plus ça marche vite. Donc il faut essayer de laisser ce bocal dans l'endroit le plus chaud que vous ayez chez vous.
et de vérifier au fur et à mesure l'avancée, on va dire, de la fabrication du yaourt. Alors, quand il fait très très chaud, pour moi, c'est aussi rapide que 12 heures, mais souvent, il faut au moins 24 heures à l'air libre, comme ça, enfin, à l'air libre, mais protégé, comme ça, pour que ça fasse un yaourt. Alors, on se retrouve demain. En tout cas, je vais vous faire voir le résultat final. Vous allez voir que pour le moment, c'était très liquide et vous allez voir que demain, eh bien, ce sera un formidable yaourt. Et voilà, en fait, j'ai triché, hein. On va imaginer qu'il s'est passé 12 à 24 heures, mais j'avais déjà du yaourt de préparé, donc je voulais vous le faire voir. Ça ressemble comme ceci maintenant, c'est beaucoup plus épais. Vous avez même des fois une telle fermentation que ça a tendance à déborder. C'est pour ça qu'on a mis une serviette en papier pour éviter que ça en mette partout, tout simplement. Mais une fois que vous avez enlevé la serviette en papier, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus épais qu'au départ, comme ceci, et qui ressemble à un vrai yaourt, qui est bien crémeux, qui est très très bon. Et à partir de là, vous avez une base pour beaucoup beaucoup de recettes, parce que le goût, je peux vous assurer que c'est vraiment très très bon, c'est aigre exactement comme un yaourt, et c'est une excellente base pour plein de recettes, parce qu'à partir de maintenant, eh bien, vous pouvez être très imaginatif et rajouter des fruits, des compotes, vous pouvez même l'utiliser dans des recettes salées, sur des soupes pendant l'hiver, ça marche très très bien, c'est entre la crème aigre et le yaourt. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée de comment faire ce yaourt végétal sans lait et qui vous permettra donc d'assouvir votre passion pour les yaourts sans vous faire du mal et sans avoir de problème d'acné.